Peut-être je suis à toi, quand je vis chez mes parents, quand je serai dans ma maison, il y a à voir mieux que toi. Quand il y a à m'améliorer, il y a à voir mieux que toi. Tu ne seras même plus dans mon programme en fait. Voilà, l'esprit d'abondance c'est ça. Mais l'esprit d'abondance vient en fait quand tu as confiance en toi et puis quand tu travailles. Ouais les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? L'esprit d'abondance. L'esprit d'abondance. C'est très important. Avec les goûts, l'esprit d'abondance est très important. Parce que l'esprit d'abondance est attractif. C'est parce que vous n'avez pas l'esprit d'abondance qu'à chaque fois que vous venez vers moi. Clair. La quoi qui te parle là, tu peux trouver encore. Pas bien même. Tu vois non? Tu peux trouver mieux qu'elle. Il y a toujours meilleur. C'est à cause de ça que vous stressez en fait. Le truc c'est que l'esprit d'abondance même là, quand tu as des options, tu as l'esprit d'abondance naturellement. Mais en fait, faut pas toujours compter sur les options en fait. Vous comprenez un peu? Faut pas toujours compter sur les options. Parce que quoi? Parce que en fait, quand tu as des options en fait, ta go a peur de te perdre. Il n'y a pas de problème. Quand tu as des options, ta go a peur de te perdre. C'est que non, d'autres go te veulent, tout ça, tu peux la changer. Tu peux aller d'autres go, tout ça. Mais même quand tu n'as pas d'options là, même quand tu n'as pas d'option, il faut que tu puisses te dire en fait, je peux te remplacer. Je peux te remplacer. Tu peux partir. Tu n'es pas ma première go. Tu ne seras pas ma dernière go. Quand tu penses qu'on, naturellement même la go est attirée par toi en fait. Parce que quoi? Parce que en fait, quelqu'un qui a 10 chaussures, quand une chaussure se gâte là, il ne plaît pas. Peut-être si c'est une de ses chaussures préférées, ça lui fait un peu mal. Oh, ma chaussure là, c'est gâtée. Mais hein, il ne va pas prendre ça à cœur comme si non, il va mourir en fait. Parce que quand tu as plusieurs chaussures, une se gâte, tu cherches même pas à ranger même. Voilà. Donc, essayez d'avoir des options. Mais je ne veux pas que avoir des options soit en fait un moyen de tromper vos go. Parce que moi, je ne suis pas dans les histoires de tromper vos go. Moi, je ne dis pas ça à quelqu'un. Voilà, moi je dis pas à quelqu'un d'aller tromper sa go. Mais si tu as des options, des filles à qui tu parles, tu sais que elles sont un peu enjaillées, elles sont attirées. Si elles les branchent bien, elles vont venir. Si ta go, naturellement quand tu as ça, ta go sent ça. Ta go sent que oh, lui, d'autres go le veulent. D'autres go le veulent. Donc là, il y a bien le prendre haut. Attends, il y a bien l'attraper haut. Parce que lui assis s'en va là. L'autre peut la prendre. Peut le prendre. Tu comprends un peu, non? Voilà, ça forge ton esprit d'abondance. Ça fait que tu te dis, oh, elle la même. Si elle reste pas tranquille, elle va partir. Si tu as l'esprit d'abondance, il n'y a pas à tolérer les bêtises des goûts. C'est parce que vous n'avez pas l'esprit d'abondance. Vous n'avez pas l'esprit d'abondance. Vous ne savez pas que Nadia, tu peux la remplacer. Tu ne sais pas que Denise, tu peux la remplacer. Non, tu ne sais pas ça. Il faut que tu cultives ça. Il faut que tu cultives le fait de savoir que je peux trouver mieux. Peut-être je suis à toi, quand je vis chez mes parents, quand je serai dans ma maison, il y a à voir mieux que toi. Quand il y a à m'améliorer, il y a à voir mieux que toi. Tu ne seras même plus dans mon programme en fait. Voilà, l'esprit d'abondance c'est ça. Mais l'esprit d'abondance vient en fait quand tu as confiance en toi et puis quand tu travailles. Il y a tout ça là-dedans. Parce que la confiance en soi, tu te lèves pas comme ça et puis tu dis tu as confiance en toi. La plupart du temps, l'homme a confiance en lui par rapport à ses... Comment on appelle ça? Ses capacités à accomplir quelque chose. Voilà. Tes capacités à accomplir quelque chose. C'est de là que naît ta confiance en fait. Tu sais que ça, si moi je veux ça, je vais me battre pour avoir. Donc quand tu sais que tu peux te battre pour avoir certaines choses, tu peux te battre pour obtenir les choses que tu désires en fait. Tu sais que tu es discipliné. Tu sais que ah, si moi je veux tel go, je peux l'avoir. Si moi je veux tel go, je peux l'avoir. Donc en même temps, tu as confiance en toi. En même temps, tu commences à réaliser que elle la même, je suis en train en fait. Elle a la chance d'être avec moi en fait. Clair. Elle a trop de chance d'être avec moi. Parce que rien tout tel que je peux avoir et puis il accepte d'être avec toi. Donc là, tu te comportes pas bien. Je suis en train de te faire une faveur. Je suis en train de te faire une faveur de rester avec toi. Donc si tu t'amuses, tu décolles. Voilà. Okay. Les gars, valorisez votre paix mentale. Valorisez votre santé mentale par rapport aux fesses des go.
Voilà. Okay, répète ça encore. Voilà. Parce que vous avez besoin en fait de votre santé mentale pour être dans le bon esprit, pour pouvoir vous occuper des choses qui sont importantes pour vous. Donc, appréciez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même. Quand tu t'aimes toi-même, tu sais que ah, je suis clean. Tu sais que ah, moi je suis beau. Hein. Tu sais que ah, moi je sais chercher l'argent. Naturellement, tu t'en fous. Claire, ça m'en parle. Aïe, tu t'en fous. Elle s'en va là, elle a perdu. Arrêtez de penser. Quand vous vous approchez les femmes, vous agissez comme si oh, j'ai l'impression que est-ce que j'aurai la chance d'être avec elle. Non, faut pas voir ça comme ça. C'est toi, tu dois penser. Est-ce qu'elle a même et mérite même? Claire, c'est l'homme. Parce que c'est bizarre. Tu peux pas demander pardon à une go pour qu'elle a venir t'occuper d'elle. C'est bon. Vous comprenez un peu, non? Tu peux pas demander pardon à une go. C'est à cause de ça que je vous dis de ne pas forcer. Parce que c'est illogique. Moi, dans ma tête, ça sonne pas bien en fait. Tu peux pas venir voir une go et puis tu as lui dire en fait. C'est ça? Je vais t'inviter au restaurant. Je vais t'inviter au restaurant. Elle te dit non, je vais t'inviter au restaurant. C'est-à-dire que tu es en train de demander pardon, est-ce que je peux m'occuper de toi? Pardon, est-ce que je peux te donner à manger? C'est pas normal de poursuivre quelqu'un pour lui faire du bien. C'est impossible même. Voilà, c'est pas normal de poursuivre quelqu'un pour lui faire du bien. À cause de ça, vous dites que vous connaissez pas vos valeurs en fait. Vous connaissez pas vos valeurs parce que quelqu'un qui connaît sa valeur, il va pas courir derrière femme. C'est femme qui doit courir derrière toi. Ben, je vous dis là, ben, c'est les femmes qui doivent courir derrière vous. Aujourd'hui, hein, si on dit que non, si on t'a jamais dit ça, moi je te dis ça. Claire. C'est femme qui doit chercher garçon. Claire. Parce que ce que tu dois comprendre en fait là, c'est que toi tu n'as pas besoin de la relation. Toi tu n'as pas besoin de la. Toi tu veux la relation. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça. Il te dit là, ben, elle a besoin de la relation en fait. Toi tu n'as pas besoin de ça. C'est ce que vous comprenez pas. Vous comprenez pas que, en fait, là, les femmes sont les gardiennes du sexe. Les femmes, là, elles sont les gardiennes du sexe, en fait. À cause de ça, quand quelqu'un mougoute à go, là, faut pas avoir des problèmes avec lui. C'est pas lui, c'est la go. Parce que si une go veut pas que tu la touches, là, tu n'as pas à la toucher. Elles sont les gardiennes du sexe. Et puis maintenant, les hommes sont les gardiens des relations. Parce que quoi, en fait, quand tu as fini de la sonner, si certaines personnes ont déjà vécu ça, quand tu commences à sonner une go régulièrement, à un moment, elle va pull back. Maintenant, elle va commencer à te dire, nous deux là même, on est quoi? Nous deux là même, est-ce qu'on sort ensemble? En fait, elle est en train de chercher à sortir toi maintenant. Parce que les femmes ne veulent pas seulement le kiki. Elles ne veulent pas seulement le kiki. Elles veulent ce qui vient avec le kiki. Elles veulent la relation. Elle veut tous les bonheurs, les restaurants, tout ce que tu peux faire pour elle là. C'est tout ça qu'elle voit en fait. Sinon, quand une go voit Drake et puis la nuit, elle lui donne un. C'est pas parce que non, elle a jamais vu Kiki. C'est parce qu'elle voit que le mot de vie de Drake là, si elle lui donne ça, en fait, il est rentré dans le mot de vie en fait. À quoi c'est vous dire de ne pas vous concentrer sur les go là, mais concentrez-vous en fait sur le fait de créer un mode de vie où ça tu kiffes ta life en fait. Elles vont vouloir rentrer dedans. Maintenant, tu examines. Est-ce que toi tu mérites de rentrer dans mon mode de vie? Est-ce que toi tu mérites d'entrer dans mon mode de vie? Bon, toi tu n'es pas comme ça. Toi viens. Voilà. Tu comprends un peu, non? Les femmes sont les gardiennes du sexe. Les hommes sont les gardiens des relations. À quoi ça toujours vous répète que garçon cherche pas relation. Si tu comprends pas aujourd'hui, faut comprendre. Garçon cherche pas relation. Quand tu rencontres une go, tu flirtes avec elle, tu cherches à la sonner. Claire. Voilà, quand tu la sonnes maintenant, tu lui dis pas que non. À cause de ça que vous partez, vous dites au go, je veux qu'on sorte ensemble. Et puis elles vous font taper pour toi. Parce que c'est pas comme ça, c'est censé être. Comment toi tu es garçon et puis tu dis non, je veux sortir avec toi. Vous voyez pas que souvent il y a des gars qui sont dans des relations avec les go. Et puis, ça fait 20 ans, 15 ans, il est la femme. Et puis, il la marie pas. Et puis elle commence à se fâcher. Et depuis que tu m'as pris, tu ne me maries pas. Depuis que tu m'as pris, tu ne me maries pas. Elle ne peut pas t'envoyer à la mairie. C'est toi qui l'envoies à la mairie. Donc vous comprenez. Quand tu comprends le game con, tu vois que tu n'as même pas à stresser sur les femmes. Tu n'as pas à stresser sur les femmes, frère. Tu as plus de valeur. Donc améliore-toi.
Et puis tu vas voir comment le game va se dessiner. Vous voyez pas les tontons depuis on est petit. Dis mon petit, faut pas chez femme, pas là à l'école. Mon petit, faut pas chez femme, pas là à l'école. En vérité, je vais te dire mon petit, faut réussir. Claire. Ou bien faut te créer un mode de vie qui te convient. Et puis tu vas voir comment tout va se faciliter en fait. Vous comprenez un peu l'esprit, non? Voilà les gars, cultivez l'esprit d'abondance. Tout peut être remplacé. Même ton ami qui te fait les lâchetés, il fait les ouais dans ton dos, il peut être remplacé. Claire. Si vous êtes au Ghana, que aujourd'hui tu voyages par là aux États-Unis, tu voyages par là en France, là, tu n'as plus le voir. Tu comprends un peu, tout le monde peut être remplacé. Quand tu as changé d'environnement, tout va changer. Tout peut être remplacé. Ta chaussure peut être remplacée. Peut-être que ce sont tes parents qui peuvent être remplacés. Mais souvent, même parents, mais on remplace. Voilà, donc tout peut être remplacé sur cette terre. Faut pas avoir peur. Et puis, c'est pas seulement avec les go que tu dois avoir l'esprit d'abondance. Dans tout, tu peux avoir un nouveau travail. Tu peux avoir un nouveau business. Tu peux avoir une nouvelle go. Tu peux avoir une nouvelle voiture. Si ta voiture s'est gâtée, tu peux avoir une nouvelle. Voilà, ce que tu dois protéger, c'est ta vie et ta paix mentale. Parce que ça, c'est des choses que tu peux pas vraiment remplacer en fait. Et puis, il y a des relations aussi que tu dois bien garder, comme ta relation avec tes parents et puis tes frères. Mais souvent, même les frères, quand ils t'emmènent aussi, remplace-les. Voilà, les gars, on est ensemble. Donc, vive l'eau. Voilà.